Il ne comprend pas comment l'accident a pu se produire. Vladimir Martinenko, le conducteur du chasse-neige à l'origine du crash de l'avion qui transportait le PDG de Total, est depuis en garde à vue. Les chaînes de télévision russes ont diffusé des images de son interrogatoire. Au micro d'une radio moscovite, l'avocat de Vladimir Martinenko enfonce le clou. Selon lui, son client n'était pas ivre au moment de la collision. Il aurait perdu de vue la colonne des déneigeuses qui opérait ce soir-là. Surtout, l'avocat pointe la responsabilité de la tour de contrôle et craint que Vladimir Martinenko, simple conducteur de 60 ans, ne paie pour les autres. Именно структура, как администрация аэропорта, она действительно материально заинтересована в том, чтобы Мартыненко был виновен. И на это я уверен. Ce matin, 4 autres personnes ont été placées en garde à vue, le chef des nettoyeurs de piste, le responsable du contrôle des vols et 2 aiguilleurs du ciel.